Et les voilà partis pour ce prix de la ville de Guingamp, steeple chase pour chevaux de 4 et 5 ans sur la distance de 4200 mètres. Ils sont finalement 4 à s'élancer après le forfait de dernière minute de la image du jour. On s'est tout de suite emparé du commandement avec le 2 Jasmin Blue monté par Kevin Ouvrier qui mène 2 longueurs d'avance sur son premier rival. Il s'agit d'Impala de C qui mène la chasse. Qui mène la cavalerie des 3 concurrents entraînés par Eric Le Coiffier. En 3e position, on retrouve Terre des Amours associé à Steven Tepo. Et c'est enfin Jurcash et Charlie Boucher qui ferment la marche. Les concurrents abordent la ligne droite qui sera tout à l'heure la dernière pour se diriger vers une nouvelle difficulté, à savoir l'Auxerre. Toujours une épreuve animée tranquillement par le numéro 2, Jasmin Blue, qui mène à sa guise depuis le départ sous la selle de Kevin Ouvrier. On va se diriger vers la rivière des tribunes pour un premier passage. On se montre quelque peu à Nantes avec tout à l'extérieur la casaque noire et orange d'Impala, de Terre des Amours plutôt, qui a fait une petite faute à la rivière des tribunes. On est venu se porter à l'encolure de la ligne matrice et on vient même prendre la tête avec Dylan Lecomte associé à Impala de C, la casaque jaune qui prend donc le commandement. Un peu moins d'un tour a été couvert dans cette épreuve. Jasmin Blue qui s'est désormais calé dans le sillage de la nouvelle animatrice. On se rapproche de nouveau à l'extérieur vers Terre des Amours alors qu'on patiente en position de serre-file avec le 5 Jurcash. On se dirige vers un nouvel obstacle, à savoir le mur. On a mis un petit peu les freins sans trop de gravité avec le numéro 3 Impala 2. C'est qui est tout de suite relayé à son extérieur par Jasmin Blue. Kevin Ouvrier qui est décidé à ne pas se faire piéger, qui sort du sillage de l'animatrice alors que ça se passe pas très bien à l'arrière-garde pour le numéro 5 Jurcash. Une allure qui s'accélère au moment d'aborder une nouvelle difficulté, le talus. Dernière difficulté de la ligne d'en face, Jasmin Blue qui est de nouveau relayé. Impala 2 C qui vient se caler le long de la corde. Toujours Terre des Amours qui précède Jurcash, un nouveau tournant pour les 4 concurrents de ce prix de la ville de Guingamp. Une allure qui se temporise de nouveau sous l'impulsion de Jasmin Blue. On cadenasse un petit peu l'épreuve pour se diriger vers l'Auxerre. Nouvel obstacle en vue pour Jasmin Blue, la pensionnaire de Philippe Le Gall. Ça se passe bien. Petite faute de nouveau pour Terre des Amours qui a tendance à biaiser un petit peu sur sa gauche. On a décidé de venir en pleine piste avec Steven Tepo pour aller franchir l'arrivée à des tribunes en avançant. Ça se passe bien pour l'ensemble des 4 concurrents, le mâle et les 3 femelles de cette épreuve pour couvrir un nouveau tour de course. On rentre désormais dans une partie un peu plus critique de la course. Là, une allure qui s'accélère même si on essaie de temporiser devant avec Jasmin Blue. On file désormais avec Dylan Lecomte associé à Impala 2C. On n'est pas battu avec Terre des Amours alors que ça semble légèrement compliqué pour Jurcash chez Charlie Boutier. De nouveau le franchissement du mur. Oh, là on est venu un petit peu au pied avec l'animatrice Jasmin Blue mais sans trop de difficultés. Impala 2C qui piste Dylan Lecomte qui file l'animatrice. L'open ditch est passé sans encombre. Jurcash qui perd de nouvelles longueurs ici, ce franchissement de cette difficulté. Un tempo qui s'est accéléré très franchement sous l'impulsion de l'animatrice, la favorite Jasmin Blue, qui reste sur deux accessites, qui va tenter d'ouvrir son palmarès cette année en obstacle. Elle prend désormais 3-4 longueurs d'avance. Sera-t-on en mesure de répondre avec Impala 2C? Dylan Lecomte qui va tenter d'assurer alors qu'elles vont virer désormais côté corde. Il reste encore un tour et la portion à parcourir ici sur ces prix de la ville de Guingamp. On a placé un drôle du percute à ses rivales ici avec Jasmin Bleu. Le seul mal de la course désormais, on tente de s'accrocher à ses basques avec Impala de C et Terre des Amours. Alors qu'en retrait, Jurcash va tenter de conserver sa 4e et dernière place. Un tour à parcourir, une allure qui devrait de nouveau s'accélérer sous l'impulsion de Jasmin Bleu, confortablement installé en tête. Alors que Terre des Amours est venu dépasser à l'instant même sa compagne de boxe. Impala de C qui semble un petit peu rentrer dans le rang. On va essayer de tenter de conserver la 3e place avec Dylan Lecomte. Allez, il nous reste un peu moins de 800 mètres à parcourir. Ça va être toujours très bien. Jasmin Bleu là qui a passé ce mur dans la bonne, qui se dirige vers l'open ditch. 5, 6, 7 longueurs d'avance désormais pour Jasmin Bleu et Kevin Ouvrier. Oh là, on est venu un petit peu au pied, mais ça passe sans encombre puisqu'on a fait de nouveau une faute avec Terre des Amours là qui va tenter de donner le maximum pour s'accrocher. Le talus en vue pour Jasmin Bleu, ça passe. Désormais, le dernier tournant est en vue pour les 3 animatrices de ce prix de la ville de Guingamp. Toujours Jasmin Blue là qui semble avoir fait le plus dur. Il va falloir assurer la dernière difficulté. On tente
de s'accrocher avec Terre des Amours, alors que c'est un petit peu plus compliqué avec Impala de C qui est désormais distancé. La dernière ligne droite en vue pour Jasmin Bleu, Kevin Ouvrier. Ça se passe toujours aussi bien depuis le départ pour l'animatrice de cette épreuve. Il va falloir assurer la dernière difficulté. Ça passe pour Jasmin Bleu. On va tenter de donner le maximum avec Terre des Amours sur le plat, mais la course s'est entendue. Et on va rallier le poteau en toute quiétude avec Jasmin Bleu qui, après deux deuxièmes places, va franchir le poteau en tête. Sous la selle de Kevin Ouvrier, on est deuxième avec le numéro 4, Terre des Amours. On conclut en retrait avec le numéro 3, Impala de C. Et enfin, la quatrième et dernière place sera à mettre à l'actif du numéro 5, Jurkash.